Allô, allô, bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à cette séance quotidienne dans laquelle nous parlerons bien évidemment du transport à Corse. Cette opportunité magnifique que nous avons d'appartenir à une communauté géniale qui est Skyward Community. Alors, je suis Donatien Gérard, enseignant de génie électrique. Aussi, je suis speaker pour Skyward Community depuis 2021 et master dans le programme de partenariat. Tout d'abord, dans ce webinaire, commençons par la présentation générale des différents points que nous aborderons. Nous commencerons par le transport à cordes et ses avantages. Et nous verrons ensuite les facteurs négatifs de l'activité de l'homme conduisant à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons les dernières nouvelles du projet. Bien évidemment, il faut absolument que nous restions informés de tout ce qui se passe dans le projet et des merveilleuses nouvelles qui sortent chaque jour. Et nous terminerons par les avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, qu'est-ce que YouSky? Il s'agit donc ici d'un système de transport innovant qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance, permettant d'éviter les embouteillages et la pollution de l'environnement car il fonctionne à l'électricité. Il permet aussi, il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Alors, les transports actuels sont classés suivant certains points qui font de ces transports les meilleurs dans tel ou tel domaine. Alors, ici, nous abordons le domaine de la sécurité tout d'abord. La structure de trajet est située au-dessus du sol dans ce système de transport. Cela augmente la sécurité de près de 100 fois. Les systèmes de commande automatique permettent d'éviter tout facteur humain et aussi les embouteillages. Le deuxième élément, c'est l'écologie. Le transport à cordes est écologique, alimenté à la fois à l'électricité et au gaz respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants dans l'atmosphère. La production de toute l'infrastructure Sky demande beaucoup moins de matériaux et de matières premières que tout autre type de transport. YouSky peut donc être ainsi construit dans un relief avec des conditions climatiques et gardant néanmoins l'écosystème naturel. L'économie. Les facteurs de construction. Les facteurs de construction des voies YouSky sont jusqu'à 20 fois moins élevés que tous les autres types de transport. Les frais de combustible sont 6 fois moins élevés que tous les autres types de transport. Par conséquent, le coût de voyage et de transport est plus bas. Et le déplacement.
La vitesse de déplacement peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport à grande vitesse. C'est deux fois plus vite que Sapsan, qui est le train le plus rapide de Russie, et jusqu'à 150 km par heure pour le transport urbain. C'est deux fois plus vite que le bus, 150 km par heure pour le transport de marchandises. Ici, nous avons les différents problèmes que rencontre le transport moderne aujourd'hui. L'un des défis pressants du secteur de transport aujourd'hui est la croissance de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave les problèmes de congestion des trafics et de pollution. Alors, des énormes embouteillages à l'entrée et la sortie des villes sont devenus une image courante pour les citadins. Dans ces conditions, donc, il n'est guère possible de parler d'un trafic interurbain efficace de passagers. La construction de nouvelles routes ne résout pas le problème, mais encourage seulement les gens à utiliser les transports privés. En conséquence, donc, l'expansion du transport routier provoque encore et encore et encore plus d'embouteillages. Donc, les différents problèmes rencontrés sont la destruction de la nature. Regardez vous-même, afin de construire toutes ces voies, on a besoin de détruire tout l'écosystème, toute la biocénose environnante. Ensuite, les embouteillages. Le taux d'accident de transport qui est élevé et les problèmes de pollution de l'atmosphère dus au combustible utilisé. Voici donc ce que propose Uniske String Technologies. La technologie aujourd'hui a plusieurs solutions toutes simplifiées pour le transport de passagers et de marchandises. Ici, nous avons les U-Car, U-Wind, U-Bike, U-Bus, U-Truck. Tout ceci fait partie de la technologie. L'Uniwind, qui est un véhicule électrique léger, monorail de faible capacité. L'Uniwind, voici donc une autre image qui peut prendre deux places. Celui-ci, c'est un véhicule de tourisme, l'Unibike, hors bord monorail avec capacité de deux places qui peut avoir une vitesse jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative au vélo ou à la moto. Donc, une autre image de l'Unibike. Ici, nous avons un Unibus, qui est un véhicule électrique de tourisme destiné au transport urbain et interurbain. 14 places, 150 km par heure. Ici, nous avons un autre Unibus, un autre modèle. Ici, c'est un Unicar, qui peut avoir une vitesse de croisière jusqu'à 150 km par heure, qui est un véhicule électrique léger de suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Nous avons l'U-Car, 3 x 6 places. On peut le voir avec trois compartiments de 6 places chacun. Alors, ici, l'Unicar Tropical, qui a été amélioré. Ok, c'est une version améliorée de l'Unicar pour un fonctionnement dans les climats chauds et humides, élevé afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Donc là, nous avons une autre vision de cet Unicar tropical qui est un très, très bel engin. Je me souviens, quand j'étais au Centre d'innovation technologique de recherche de Sharjah, j'ai pu toucher du doigt cet engin. C'est magnifique. Ici, nous avons les photos de quelques leaders d'Afrique qui sont dans ce véhicule génial. Regardez vous-même l'intérieur, on dirait une première classe en avion. Ici, nous avons un Nuflash, véhicule de tourisme suspendu sur roues en acier conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Sa capacité est de 6 places et sa vitesse peut aller jusqu'à 500 km par heure. Donc, une autre image de l'UniFlash qui, pendant un fonctionnement de 25 ans, permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Qui ne voudrait pas d'un tel transport? Donc, une autre photo d'autres leaders, okay, en présence du monsieur Anatoly Unitsky, qui est le concepteur général de la technologie. Ici, nous avons, pour le transport, on dit, trois modèles, l'Unicompte, l'Unitruc et l'Unitrans. Okay? Ce système de transport est conçu pour transporter des marchandises sur une distance de 500 km par heure. L'Unitruc, commençons par l'Unitruc. Il est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac
à une vitesse jusqu'à 150 km par heure avec chargement et déchargement automatique. L'unicompte est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 pieds et 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Le chargement et déchargement automatique contrôle le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par des systèmes de contrôle automatisés. L'unitrans, c'est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terminaux portuaires maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux en vrac, tels que le sable et les petits cailloux. Les ports maritimes, les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de Sky dans le port maritime sont les suivants. La livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. Le deuxième élément, c'est l'amarrage des grands navires ne sera pas nécessaire, ok? Il ne nécessitera pas la création de murs, de quais, de dragages ou de renforcements à terre. Il est possible de livrer des marchandises au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. La ville est née en union avec la nature. Ce sont les puissants qui contribuent au développement de la ville linéaire. Les villes linéaires peuvent être construites dans les zones désertiques et inondées, y compris avec celles des terrains difficiles, ayant ainsi que sur quelques plateaux marins. U-House, la maison verte écologique et durable, seule aux Émirats arabes unis, entièrement construite en bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-maison, l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales. Comment fonctionne donc cette technologie? La compagnie propose plusieurs solutions, toutes simplifiées. Regardez vous-même. Ici, nous avons la technologie principale de les lignes de transport à cordes. Elle est faite par une enveloppe, OK, qui est le corps du rail, un élément de remplissage qui est un béton flexible, béton spécial. Et nous avons là ces points blancs qui sont des cordes, fils d'acier précontraint. OK, et au-dessus, nous avons la tête du rail. Ces rails sont 5 fois plus lisses et 3 fois plus fortes que les rails conventionnels. Et sur cette base, donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Alors, la structure de rail peut être flexible, avec une charge utile standard de 20 tonnes, qui peut aller jusqu'à 20 tonnes, un mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et grande portée jusqu'à 2 km, jusqu'à 5 km en cas d'utilisation des chaînes de composite. La structure peut être rigide. C'est pour le transport des grands poids, jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse. Celui-ci se situe entre les villes ou la ville et l'aéroport. La structure peut être semi-rigide, avec une charge utile améliorée jusqu'à 30 tonnes. Mode de vitesse rapide jusqu'à 350 km par heure et petite portée jusqu'à 50 mètres. Le moteur du Sky est toujours à côté de la roue. Ceci est conçu par le docteur Anthony Niski et il a obtenu un brevet pour cela. Voici donc les avantages de ce transport. La voiture qui roule sur le sol a de la peine à circuler normalement. Voilà pourquoi elle dépense beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont une aérodynamique de 0,2. L'aérodynamique, c'est ce coefficient qu'on appelle CX. Et ces voitures ont une aérodynamique de 0,2. Avec les engins du Sky, l'air circule normalement au-dessus et en dessous du véhicule. Ce qui permet d'aller plus loin. Et son aérodynamisme est de 0,06. Regardez vous-même. Près de 10 fois celui d'une voiture conventionnelle moderne. C'est énorme. Et près de 3 fois, OK, que dis-je? 0,0, 0,2, 0,08
Vous voyez, c'est près de 30 fois celui d'une voiture de Formule 1. Alors, pour cette raison, un transport à grande vitesse peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, jusqu'à il surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est bas, la maintenance est très basse aussi, la consommation d'énergie est basse et la capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable. Regardez vous-même cette image. Ici, on peut voir que U-Sky est 10 fois moins cher que toutes les solutions de transport existantes en perspective également. Regardez le coût par kilomètre. Il est près de 10 fois inférieur à toutes les autres technologies innovantes d'actualité. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur, Anatoly Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. OK? Il a été créateur, autant pour moi, il est créateur des systèmes de transports spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur la technologie à cordes. Il a été chef de l'ONU à deux projets de l'ONU en 2002 et en 1998, membre de la Fédération cosmonautique de l'USS, fondateur du groupe de société UST et concepteur général du Nisky String Technologies. Le premier complexe de rails à cordes de la première génération de la ville a été construit, ont été construites en Yozyuri, dans la région de Moscou. À cette époque, un camion ZIL-131 a été utilisé comme module de test et ses roues en acier étaient adaptées à une structure de voie ferrée. Quelques brevets et récompenses obtenues. Alors, la compagnie aujourd'hui a déjà obtenu un certificat international confirmant la conformité des systèmes de gestion de la qualité appliqués par le groupe de société Nisky String Technologies à la norme internationale 9001-2015 et est inscrit au registre de l'agence de certification TÜV Thüringen, le système de gestion de la qualité pratiqué dans la société de conception de projet. Permet de réduire les risques financiers, d'optimiser les procédures opérationnelles, d'augmenter la capacité de production et de réduire les dépenses de production pour les produits développés. Voici cette image, l'image du document que Madame Nadezhda, qui est PDG, qui est directeur directrice générale de Unisky String Technologies, tenait dans l'image précédente. Alors, l'entreprise aujourd'hui a plusieurs brevets et récompenses. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise, uniski.ingénieur. OK, le site web du fondateur, bien évidemment. Le transport à cordes des Émirats arabes unis aussi a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station du passager, les transports. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. de Sharjah. Voici ce document remis par l'agence TÜV Thüringen. UST Inc. est inscrit au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Voici ce document de la Chambre de commerce d'industrie biélorusse, qui est une association volontaire de 2500 entreprises qui représente tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. UST a obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie fin avril. OK. 193 brevets, la compagnie a déjà obtenu de la Chine à l'Australie. Et aussi, la compagnie a déjà été présente dans près de 7 salons d'exposition, dans près de 20 salons d'exposition internationaux depuis 7 ans déjà. La délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement en commun et le modèle Unibac au salon exposition internationale InnoTrans 2022. Les productions et résultats
obtenu déjà par l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Uniski Strength Technologies Inc. a passé un audit annuel des comptes conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie sur les activités d'audit et les règles nationales d'audit, selon la conclusion de SARL, Finexpertise Abel Audit, UST. UST Inc. atteint l'autofinancement et cela pour la première fois depuis sa fondation. En outre, la société a considérablement augmenté la taille de ses activités en 2022. Selon l'audit, les états comptables reflètent fidèlement dans tous les aspects importants la situation financière de la société au 31 décembre 2022. Les résultats financiers de ses activités et l'évolution de sa signature financière, situation financière y compris les flux de trésorerie de l'année terminée à cette date, conformément à la législation biélorussienne. Alors, une autre excellente nouvelle pour UST Inc. Nous sommes ravis de vous annoncer que Uniski String Technologies a réussi avec succès un nouvel audit, toujours cette année, de ses états financiers réalisés par Business Assurance LLC, conformément aux normes internationales d'information financière. Cet audit atteste que la fiabilité et l'intégrité des états financiers de l'entreprise. Les résultats de cet audit confirment que les états financiers fournissent une image fidèle dans tous les aspects significatifs de la situation financière de la société au 31 décembre 2022, ainsi que les résultats financiers et des variations de sa position financière, y compris des flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La Chambre de commerce de l'Italie et de la République tchèque a visité les Émirats arabes unis avec 25 startups de différents domaines: système de transport fiable, technologie agricole, technologie numérique, intelligence artificielle et bien d'autres. Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir? Voici donc un bâtiment, okay, le bâtiment de 9 étages, qui est situé dans la ville de Minsk, capitale de Biélorussie, et est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre technologie. Okay? Il s'agit du Uniski String Technologies. Et nous avons aussi une zone de production. Le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et des savoirs clés du transport à cordes, fabrication et accessoires, appareils composants, essais ensembles mécaniques et appareils électroniques, tours d'essai, production de prototypes. Extension de la zone de Biélorussie en Biélorussie. L'Écotechnoparc est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration des technologies UST VR dans la version nord. Il est situé à Marienagorka, en Biélorussie, pouvant couvrir une superficie de plus de 36 hectares. Le centre mène les travaux de recherche, de développement et d'expérimentation de la technologie liée au complexe de transport et d'infrastructure dans la conception viaduc. Alors voici l'Écotechnopark, quelques autres images. L'entreprise combine aujourd'hui près de 86 bureaux d'études, 36 bâtiments et structures et 36 hectares de centres de démonstration et de certification et de 6 complexes de transport sur son territoire. Le centre de test à Sharjah, qui est le deuxième centre de test, qui est aux Émirats arabes unis sur une superficie de 25 hectares. Dans ce centre, okay, il y aura 4 pistes. Et le début de la construction, c'est y être cela de 2 ans déjà. L'équipe du Uniski String Technologies Inc. est composée de concepteurs, d'ingénieurs, de projets et de chercheurs hautement qualifiés possédant une excellente formation et une expérience de travail dans des projets majeurs et plus grandes sociétés d'ingénierie de Biélorussie. L'équipe d'Uniski String Technologies Inc. est composée de spécialistes hautement qualifiés
Le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis, ceci est une plaque. Lorsque vous arrivez au centre d'essai, vous ouvrez cette plaque qui vous indique le centre de recherche. Et voilà les supports d'ancrage que vous voyez juste là derrière. Alors, ici, il s'agit de l'équipe de travail du côté des Émirats Arabes Unis. Ici, c'est le contact. Pour celui qui veut visiter ce centre d'essai, vous pouvez contacter ce numéro et prendre rendez-vous pour une visite du centre de recherche. Ici, c'est le numéro de la Biélorussie. Vous pouvez composer ce numéro et les contacter afin d'avoir un rendez-vous pour visiter l'écotechnoparc de Biélorussie. Alors, le magnifique nouveau site d'Unixing Technologies est là, ust.inc/. Rejoignez le projet aujourd'hui. Vous avez la chance de pouvoir rejoindre un projet de transport en pleine croissance qui est déjà à sa dernière étape, l'étape 15 du développement. Tout le monde peut participer. OK? Nous vous offrons des investissements pour tout budget à partir de $50. Le tempérament est pratique et divisé sur 5 mois et nous avons plus de 400 000 investisseurs parmi lesquels des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Tout le monde peut participer. Les perspectives de votre participation au développement d'un projet international sont les suivantes. Tout d'abord, les dividendes. La mise en œuvre réussie du projet, des projets commerciaux de l'entreprise, permettra à l'entreprise de faire des dividendes. Des bénéfices, autant pour moi, 20% seront retirés de ces bénéfices et repartagés aux actionnaires. Chacun recevra en fonction du nombre de portions qu'il a dans l'entreprise. Le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer un rachat comme elle l'a fait en 2018 et 2020 et les investisseurs ont eu la possibilité d'acheter leurs parts de manière plusieurs fois rentable, jusqu'à 10 fois même. Les parts sont votre propriété et vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants en héritage. L'entrée en bourse. L'entreprise peut décider plus tard d'entrer sur le marché boursier. Dans ce cas, Vous pourrez, dans ce cas, bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier. Le minimum prévu à l'entrée en bourse est de 1 $. Donc, si vous avez 100 000 actions, ça vous fera 100 000 $ de valeur de vos actions sur ce marché-là. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Vécontech et Instagram. Donc, merci pour votre aimable attention. Je vais vous laisser avec cette vidéo, OK, qui présente le transport à cordes. Le leader est l'un devant un Uniflash, un bus à grande vitesse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles croustillantes du projet. Bye! D'Afrique francophone, nous sommes dans le Nibus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, la docteur Matolinski. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu et je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes, comme vous pouvez le constater, au centre d'innovation technologique Chaja avec les autres invités qui sont venus de par le monde pour voir cette technologie de leur propre yeux. Donc, adhérer massivement. Hein? Cameroun, voyez, Africa, voyez, Unisys String Technology, voyez.
Thank you.